Bonjour, yo 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 tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bienvenue, Molf Wolf. Attendez, je reprends tout le monde. Eman The Tracker et Massinthe, comment allez-vous? Et merci. Et yo Dagouto, comment tu vas? Et merci beaucoup pour les bis Dagouto, bienvenue à tous. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés. Alors n'hésitez pas à me dire si tout va pour le mieux. Alors, parce que j'ai une petite confession à vous faire. Pas se mentir, il se peut, peut-être, dans un. Non. Peut-être que j'ai oublié que je devais live à 15h. Il se peut. Que du coup, j'ai tout préparé il y a 10 minutes. Et que du coup, je suis pas sûr que tout fonctionne. Mais tranquille. Déjà, j'ai une caméra qui est allumée. Déjà, ça fonctionne. Déjà, je suis content honnêtement parce que ma caméra, quand je l'ai allumée tout à l'heure, elle me fait non. Je te mode, bah si. Tout fonctionne, parfait. Toujours avec sa casquette Koro Sensei. Mais oui. Alors, faut savoir que du coup, je viens d'en nettoyer deux à la main. Du coup en fait celle-là c'était ma troisième de rechange. Oui j'ai trois casquettes Koro Sensei, il y a un problème. Parce qu'en fait j'ai une casquette pour les lives, une casquette pour les conventions et une casquette au cas où une est cassée ou en train de se faire nettoyer. Voilà. Un mec prévoyant avant tout. Bah non c'est mon personnage, il y a un moment voilà quoi, j'investis tu vois. Et après on va pas se mentir. Attends il est où? Mes trois casquettes m'ont revenu moins cher que ça hein. Quand même faut se le dire. Ça c'est 40€, mes trois casquettes j'ai eu à 30€ hein. Faut quand même se le dire au cas où. J'en ai plein des casquettes. Attendez, hop, j'arrive. J'en ai d'autres, mais je sais pas. J'en ai plein des casquettes. Mais en fait, juste que vu que mon avatar est avec Koro Sensei, je me dis, attends. Je peux être droit, toi, oui. Merci. Du coup, j'ai ma casquette DBZ. Ça, c'était la toute première que j'ai achetée. Qui est totalement dégueulasse. On va pas se mentir. Hein. Celle-là, elle s'est baladée un petit peu. Mes casquettes PlayStation. Alors. C'est marrant parce que du coup vous voyez un logo PlayStation. Or que pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout officiel. Et j'ai une casquette Fairy Tail. Voilà. Qui est bien sûr hein, un truc Fairy Tail alors que c'est pas du tout officiel. Pardon. Voilà. Bon, bah parfait, ça fonctionne. Alors, aujourd'hui du coup d'habitude, en temps normal, pour ceux qui étaient déjà là, moi ce que je voulais c'est du coup je débriefais le salon. Et après du coup j'allais jouer à un simulateur. Parce que le simulateur Warthog, vous vous doutez bien que c'est un simulateur. Donc en ce moment on joue à Bus Simulator et c'est même la dernière session de Bus Simulator. Je sais pas ce que je vais faire après, me demandez pas. Alors là le truc du coup c'est qu'en fait on a décalé cette émission parce que du coup il y a quelqu'un qui était pas là mercredi soir. Du coup je ferai tout le débrief mercredi soir, donc demain soir à 21h. Ouais, si jamais vous êtes de la Méditerranée, n'hésitez pas à venir parce que on pourra discuter un peu de nos anecdotes, tout ça. Faire une sorte de discussion entre nous pour pouvoir en parler quoi. Mais du coup, seulement du coup, et ben... Du coup demain, enfin du coup aujourd'hui plutôt. Ah, il n'y aura pas de débrief, voilà, donc je pense qu'on va aller assez rapidement sur le jeu. J'associe sur un serveur, et ben ça marche, et ben à tout à l'heure, Moon. Je me permets de t'appeler Moon, hein. Voilà, débrief d'Amédinazia, alors je sais pas si tu seras là, du coup, Kerema, je sais pas tout s'il y a des gens qui seront là. J'ai pas proposé à Genki aussi, peut-être que Genki pourra venir pour en parler un petit peu, parce que lui, c'était quand même sa première convention en tant qu'exposant, on va dire. Je verrai. Ah, voilà. Mais ouais, du coup, aujourd'hui on va pas parler du salon. Donc, honnêtement, j'ai pas grand chose à vous dire de ça, à part que bah ça s'est bien passé quoi. Tu dis beaucoup du coup. Oui, du coup, toujours du coup. Mais ça, j'essaye de dévoiler sur ça, mais bon. Là, comme dit, en fait, j'étais pas prêt mentalement à lancer un live. Du coup, en fait, genre, je me suis pas préparé à lancer un live, tu vois. Parce que sinon, en fait, je réfléchis à ça à l'avance, tu vois. J'essaye de pas les repasser trop. Mais là, non, là, mon cerveau il est en mode, qu'est-ce que tu fais, frère? Pourquoi t'as lancé un live maintenant? Il est con, lui. D'habitude j'essaie de me concentrer sur ça mais là je t'avoue que du coup je ne suis zéro prêt mentalement pour me concentrer sur ça mais c'est pas grave. Easy. Alors est-ce que tu as tweeté mon cher Kerema là? Parce que moi j'ai envie de retweeter du coup. Alors, attendez, je vais aller voir si Kerema a tweeté pour que je puisse retweet de mon côté. Et après on va pouvoir partir du coup tranquillement sur le jeu hein. Je pense que c'est le mieux à faire. Oui, il y a eu un tweet, il y a eu une notification. Alors mon Twitter si tu veux t'allumer ce serait mieux s'il te plaît. Oh, c'est quoi ce emote? Enfin c'est quoi ce gif au secours? Oui, par contre, j'avoue, par contre, c'est vrai. Hein. Kerema, sur ton truc, t'as raison. Hein. Si vous avez pas votre ticket, ça va chauffer. Hein. Effectivement, je suis un mec très vénère sur les tickets. Honnêtement, je suis le genre de gars qui s'arrête en plein milieu de la rue. Rien à branler, hein. Mais même pas sur un arrêt. Hein. Il s'arrête juste comme ça. Il va vérifier les tickets. Si t'as pas ton ticket, c'est 140€. C'est tout. Ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas votre temps. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on est parti pour cette petite dernière session de. Ah, t'inquiète pas, je l'avais vu, Kerema. C'est gentil. Est-ce qu'on est parti pour cette petite dernière session de Bus Simulator? On est parti? Allez. Avec cette musique d'intro du jeu en mode
Happy. On va laisser la musique du jeu. La musique du jeu. Bon, j'ai du taf. Et ben, ça marche. Bon courage, Karima. On va laisser la musique en fond. Je trouve qu'il n'y a pas de musique dans le jeu une fois qu'on a lancé. Et du coup, on est reparti. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, Bus Simulator, c'est littéralement vous avez une société de bus et il faut la gérer. C'est pas plus dur que ça. Hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir, l'histoire va pas plus loin que ça. Mais t'as quand même des missions au fur et à mesure, donc ça c'est plutôt agréable. Du coup, tu sais pourquoi tu avances dans le jeu. Enfin, comment avancer dans le jeu et voilà. Et là, du coup, on vient de débloquer la. Tiens, pour t'acheter une choupa. Une choupa choups. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a les alertes? On n'a pas d'alerte bits. On n'a pas d'alerte bits, voilà. Voilà. Il y a des gens qui ne travaillent pas, voilà, c'est honteux. Je vous le dis, c'est honteux, voilà. Bah, désolé, mais merci beaucoup pour tes bits. Du coup, t'es 2, 4, 6, 8, 10 bits. Merci beaucoup. Bon, et du coup, voilà, donc en gros, bah, c'est littéralement, voilà, faut conduire un bus et gérer sa société. En sachant que j'ai des employés, alors ça c'est très marrant, j'ai des employés que je ne paye pas dans le jeu. C'est-à-dire que j'ai plein de gens qui conduisent mes bus, mais je ne les paye pas. C'est trop bien. Honnêtement, c'est comment gérer une entreprise au plus simplement possible. C'est-à-dire que t'as des employés, mais tu ne les payes pas. Du coup, ça marche très bien. Honnêtement, je peux vous mentir, ça marche très bien. Meet Josh Graham, the spokesperson for industry. Oh, bien sûr, on s'en fout un peu de. Donc là, vous voyez, du coup, j'ai tiré à droite. Ah oui, alors si jamais vous avez jamais vu, hein, la manière de conduire votre personnage, du coup, ça mérite un petit. On le fait à chaque fois. Voilà, je suis désolé, je suis toujours oublié, hein, mais bon. Vu comment court le personnage, il y a un moment où on n'a pas le choix, quoi, tu vois. Enfin, littéralement, quand il tourne, il dérape, tu vois. Genre, vraiment, genre il fait vraiment des drifts, tu vois. Le personnage vraiment c'est honteux tellement, enfin c'est honteux ce personnage, c'est juste ça, je peux pas dire plus. Et donc voilà, là on est à notre magnifique endroit. Ouais, vous pouvez voir que j'ai 4 bus actuellement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est Conan 21ème siècle, ouais, c'est un peu ça. Non, mais vraiment, c'est cette manière, enfin je sais pas, les développeurs quand même ils auraient pu faire, enfin déjà pourquoi ils courent. Déjà pourquoi ils marchent pas, tu vois, comme tout jeu, enfin truc classique, tu vois, au pire t'as une touche de sprint, mais non. Là j'appuie juste sur S et D ou Q, tu vois. Vraiment littéralement, enfin genre vraiment, genre notre personnage, il fait que courir. J'ai un bus, attendez. Putain mais c'est insupportable. Mais bon, après honnêtement, alors je sais plus ce qui est le développeur de ce jeu, mais c'est eux qui ont fait tous les bus simulateurs et vous savez c'est les bons développeurs allemands que tout le monde connaît, qui font un bon jeu tous les 25 ans à peu près. Et tout le reste c'est du remplissage. Et honnêtement, Bus Simulator fait partie des bons jeux pour eux. Donc voilà, déjà, voilà. C'est cool. Là, du coup, ouais, on peut voir un peu les itinéraires de tout le monde, comment ça marche et tout ça. Enfin, bref. Bref, vous connaissez. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Retirer, non, relier Gold Island et Gold Island Tourist Center par au moins un itinéraire. Conduire/prendre 10 passagers de Gold Island Center. Acheter un nouveau bus GNV. On va acheter un nouveau bus déjà. Non, on va faire itinéraire avant. Hop, du coup, vous pouvez voir que du coup, on peut faire des itinéraires ici. Donc là, du coup, je vais en créer un nouveau. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il faut que j'aille à Goat Island et que je crois que c'est cet arrêt-là. Voilà, donc c'est cet arrêt-là qu'il faut faire. Bah, écoutez, c'est. Tipar, comme on dit, hein. Je pense qu'on va faire ça. Mais ils ont du mal avec les déplacements des personnages. Ouais, bah, ils ont mal avec beaucoup de choses, on va pas se mentir. Hein. Je veux pas être méchant, hein, mais. Ouais, ils ont du mal avec beaucoup de choses. Hein. Non, on peut pas y aller par là. Oh, parce qu'en fait il est obligé de faire ça. Attends mais c'est pas logique. Du coup il repasserait au 1. Ah t'es obligé de repasser par là et après. Mais, bah, pourquoi il fait pas ça et ça? Attends c'est pas logique du tout, j'en étais là. Ah voilà, là c'est beaucoup mieux. Ah je crois. Attendez. Tout là, là, on va là et après on retourne à l'arrière. Pas du tout. Je comprends rien, je vous le dis tout de suite. Bon, bref, on a fait ce qu'on nous a demandé, hein, littéralement. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup plus logique comme ça. Qu'est-ce qui me dit le jeu? Non, c'est pour choisir les arrêts. Okay, bon, on va essayer comme ça, écoutez. Je comprends rien au jeu, donc c'est très bien. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant, faut qu'on achète un bus GNV. Ah non, faut qu'on fasse un transport rapide du coup vers le truc pour acheter des bus. C'est où? C'est où pour acheter des bus? Excusez-moi, c'est là? Ah oui, c'est là. Voyage rapide. Voyageons rapidement. Bien sûr, toujours avec notre personnage qui donne tout quand il court. Alors, ils m'ont dit quoi?
Tu te rappelles ou pas? C'était quoi qu'il voulait? C'est quoi qu'il fallait acheter déjà? Je pense que ça a coûté très cher cette connerie. C'est quoi qu'il faut acheter? C'est un CNV non? Ça correspond à quoi? Acheter un nouveau bus GNV. C'est quoi GNV? À quoi ça correspond GNV entre nous? À quoi ça correspond GNV? Alors j'en ai qui sont verrouillés, je comprends rien au jeu. Hein. Parce que des fois, genre. Les mecs en fait ils donnent des ordres, mais pas trop non plus, tu vois. C'est-à-dire quoi GNV? Est-ce qu'il y a un truc GNV? Non? C'est peut-être une marque GNV? Grand Quest? Non, ça peut pas être ça. GNV. Là, j'ai pas la ref. Là, comme on dit, j'ai pas la ref. Acheter un nouveau bus GNV. On a pas mal de thunes, donc on va se prendre celui-là, je pense. Le Bestas. C'était pas ça. Hop. Alors, tu vois, alors si jamais tu connais pas du tout le jeu d'Agudo, tu verras que c'est un peu différent de tous les autres simulateurs. Dans le sens où en fait t'as vraiment beaucoup plus de trucs à gérer qui sont un peu plus sympas. Et là tu peux gérer tous les menus tout l'intérieur, c'est sympa. Attends, non, le frein était pas mis, pardon. Ah oui, j'ai oublié de fermer les portes. Erreur de débutant ça. Ah, j'ai tapé le bus alors que je l'ai pas acheté, ça commence bien. Coup dur. Bah du coup je vois pas ce que c'est que GNV honnêtement. Alors, du coup faut faire un petit test. Oui, alors ça c'est marrant, attendez on va le faire. Je suis très mauvais à chaque fois mais on va le faire. J'ai touché ou pas? Est-ce que j'ai touché? Ouais, je crois que j'ai pas touché. Ah au secours. Ils l'ont fait en VR? Ça va être horrible en VR. Enfin, ça va être trop bien et à la fois horrible. Parce que le jeu est quand même pas très beau, on va pas se mentir. Attends, il faut que je resserre mon volant. Ah! C'est bon, il bouge plus? Il bouge plus. Et j'avais pas touché, hein! Ouah, comment je suis chaud en fait! Hop là! Pardon, j'ai mis mon micro à peu près. Ouais, intéressant, intéressant. Je sais pas si c'est ça que le truc GNV, donc je crains un peu. Et du coup, si on laisse dans le garage, qu'est-ce que ça fait? Non, comme ça, voilà. Hop. Comment on est ici? Est-ce qu'on peut. Est-ce que ça l'a acheté ou pas? Ça l'a pas du tout acheté. Ok, c'est bien fait. C'est bien fait. Et yo, Little Grimmins, comment tu vas? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bon, on va essayer de voir si on arrive à trouver ce qu'il veut là. Non mais j'arrive pas à trouver hein. Un GNV. Mais du coup un GNV ça veut dire quoi? Ça va tranquille. Parfait ça. Qu'est-ce que ça veut dire GNV? Un bus GNV. Attendez, on va aller voir l'objectif. Enfin je crois qu'on peut aller voir. Journal de quête. Mais faut décrire ce que c'est qu'un bus GNV s'il vous plaît. Ça m'énerve. Je suis énervé. Au secours, aidez-moi. Bon, on le prend ou pas le business? Il avait l'air quand même plus sympathique. Allez, on le prend. Ah là, j'ai vendu, Ilan. C'est pas ça, tant pis. Au pire, ça nous fera un nouveau bus. Des profits avant tout. Hop. Je sais pas. Non, mais je pense que personne ne sait, hein, on va pas se mentir. Hein. Ok, sur ce coup-là, on essaie de pas taper le mur avant. Et on essaie de sortir. Oh, c'est chiant de sortir ici, c'est vrai. J'avais oublié que c'était très chiant. Ah, j'ai pris un mur, encore. Ça change pas d'habitude, ça. Ah merde, ça marche à l'air. Ah, bien sûr, je joue au volant. Mais alors, sur ce jeu, jouer au volant, c'est pas une bonne idée en fait. Je vous le dis. C'était ça? C'était pas ça. Putain, j'ai acheté un bus pour rien. Oh, ils sont chiants! C'est quoi un bus GNV? Ouais, c'est pas grave. C'est quoi à faire? Si jamais tu as des questions sur le jeu, n'hésite pas, hein, mon cher Grimin. Non, mais en fait, c'est pas Grimin en fait. J'ai de la merde en fait. C'est Grim. Grim Rafford, non, c'est comme ça.
Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi je dis bienvenue. En fait, je dis bienvenue, mais je suis trop con en fait. C'est moi qui est con. Je voulais faire un truc, c'était quoi? Ah oui, itinéraire 5. Conduire maintenant. Il est où mon truc business de merde là? Je viens de perdre trop d'argent avec. Putain, non, je rage pas les gens, c'est une illusion optique. Et non, mais moi les pseudos ça va pas. En plus, j'ai pas zoomé le chat. C'est pour ça que je vois rien. Au pire, je t'appelle Grim, hein, comme la bière, ça te va, non? Madame, excusez-moi, madame. Madame, vous êtes chiante. Ah, il me l'a passé, merci. Oula, il s'est passé quoi là? Grimnir. Grimnir, bah je t'appelle. Alphodor. Ouais, bah je t'appelle Grimnir, hein, ça te va? Je suis désolé, mais bon, tu sais, moi je suis partisan du moindre effort. Je me connais. Si tu veux bien que je t'appelle Grimnir, moi ça me va. Bon, du coup, on va découvrir la nouvelle île, les gens. Aïe, yeah, c'est le moment. C'est le moment de la découverte. Enfin, on l'avait encore jamais découvert cette île, parce que du coup on était encore au début du jeu. Du coup, on va pouvoir enfin la découvrir. Putain, je suis à 55 FPS sur le jeu quoi, je lag sur Bus Simulator les gens. Ça ferait un beau titre de vidéo je trouve. Y'a jamais personne qui respecte mon pseudo. Ouais, mais alors moi le problème en fait, Grimnir, c'est que moi en fait je respecte pas beaucoup de pseudos de base en fait. C'est-à-dire qu'en fait j'ai un problème avec les pseudos dans ma vie. C'est-à-dire que moi, un pseudo, tu peux me donner à 10 déclinaisons différentes, je vais toujours le dire, mais de la mauvaise prononciation, tu vois. C'est une route, ça? Quoi cette histoire? Ok, c'est là la première île. Bonsoir. Hop là. Warning, bim, et on ouvre les portes. Mauvaise position à l'arrêt, comment ça? Comment ça, mauvaise position? Je suis très bien, je suis sur la ligne. Mais j'ai pas commencé l'arrêt, bande de cons. Mais j'ai pas commencé ma course. Mais is it really new or is that just a new paint job? Attendez, excusez-moi monsieur. Trajet senior. Un trajet imprimé. 3,20€. Ok. Hop là, tenez pour vous monsieur. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Hop, non mais quel con. Ça commence. Et oui, moi j'ai un gros problème avec le fait qu'en fait je ne respecte pas les pseudos de personne en fait. Moi je. Là c'est à droite! Bonjour monsieur, bonsoir, attendez. Faites comme si j'étais pas là, je n'existe pas, vous inquiétez pas. Par contre, c'est quoi ces routes de merde? Bon, parlez de ces routes là, on voit rien. On est parti. C'est quoi ces routes? Pourquoi on roule sur des routes cassées? Au secours! T'es un thug toi, moi j'ai pas le temps moi. Comme vous direz certains chanteurs très connus, j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Par contre au moins c'est large hein. Je peux vous dire que là y'a de quoi faire. Oh c'est un trou ça. En même temps. Moi je suis un bus, je suis là pour le profit. Y'avait pas de panneau. Faut arrêter avec les panneaux là. Oh, je sais pas, je me le tape, ça me saoule. Bonsoir. Allez montez. Allez, ça me fait plaisir. Un ticket étudiant. Allez, on va dire étudiant. On y croit. Thanks. Merci monsieur, bonne journée. Oh, bonne soirée. Oh toi je sens que tu vas être casse couille, attends. Oh attends, je crochote. Attendez. Vous madame, votre ticket. Et toi là? Hold on. Ok, t'as de la chance. Calme-toi, non. Coupe pas la main comme ça. Mais à travers devant le bus! Mais quelle idée! Mais arrête de faire les demi-tours! Oh les petits vieux, hein, je vous promets. Hein. Y'a pas de panneau. Bah non, y'a pas de panneau. Ce n'est qu'un mirage. Il faut juste que je redresse un peu mon siège. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ça bloque?
Mais c'est quoi cette intelligence? Mais avance! Allô? Bon, mais et pourquoi ils bloquent là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Oh, les ordinateurs de ce jeu sont, ma foi, ils sont là. Je sais pas quoi dire de plus, honnêtement. Ok. Ok, je peux esquiver, tout va bien. Par contre, c'est quoi un bus GNV du coup? Parce qu'en fait, j'ai acheté un bus qui ne sert strictement à rien. En fait, je viens de perdre trop d'argent pour rien. Oh, je comprends rien à ce qui se passe. Moi, j'avance. Hein. Tant pis. Écoutez, je suis un bus, je suis un véhicule prioritaire. Faites pas chier. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Ah, du coup, mon arrêt. Attends, mon arrêt 3 est avant mon arrêt 4? Quoi, cette merde? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh là, faut que je refasse mon trajet. Ça va pas du tout. Ça va plus. Rien ne va plus. Tan 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 tan. C'est là l'arrêt 3? Non, c'est l'arrêt 5, ça. Quoi? Non, c'est l'arrêt 3? Non, c'est l'arrêt 5, mais pourquoi c'est l'arrêt 5? J'ai fini? Hein? Quoi? Attendez, mon itinéraire il est cassé. Attendez. Mon itinéraire il est cassé. Attendez. Mon itinéraire il est cassé. Mon itinéraire il est cassé. I overslept again yesterday. No, she was not at all pleased. Et donc là tu peux y aller. Okay. Là ça fonctionne. Là ça fonctionne. Voilà. Pourquoi il m'a cassé les couilles? J'ai plus l'impression que tu aimes beaucoup ce jeu, mais tu prends rien et tout. En fait, non. En fait, si, le jeu est très bon. En vrai, blague à part, le jeu est pas mauvais en tant que tel. Hein. C'est juste qu'en fait, il y a des trucs qui te sortent du jeu, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu chiant, tu vois. Mais sinon, le jeu en lui-même n'est pas un mauvais jeu par rapport à certains jeux de leur licence, tu vois. Bus Simulator est plutôt même un bon jeu en vrai. C'est juste que ouais, il y a des trucs en fait, qui sont un peu mal faits quoi. Ils sont pas du tout réalistes, tu vois, par exemple par rapport à un Euro Truck. Si t'as déjà joué à Euro Truck, je pense que tu vois ce que je veux dire. Euro Truck, bien sûr, qu'on peut retrouver en replay, j'ai fait au moins 25 épisodes sur ce jeu. Mais du coup, c'est pour ça, si tu vois, on découvre plein de simulateurs, des très bons comme des très mauvais, tu vois. C'est aussi l'objectif, tu vois. Lui, je dirais que c'est un jeu moyen. C'est pas un très très bon jeu, mais il est pas nul non plus, quoi. Par contre, on sait toujours pas ce que c'est qu'un bus GNV. Hein. C'est l'arrêt 1, ça, on est d'accord? Non, c'est l'arrêt 3. Et d'où mon arrêt 1? Oh, ça me saoule. Oh là là là. Tu sais que tu peux faire ça en vrai. Et en plus, t'es payé pour faire. Mais bien sûr, mais c'est le principe du simulateur, hein. C'est le principe des simulateurs, littéralement. Parce que, en fait, littéralement, quand tu fais Eurotruck, c'est pareil, tu peux te payer pour être chauffeur de... Lourd! Je viens de perdre 20 000 balles. Je viens de perdre 20 000 balles parce que les gens, ils traversent comme des connards! Avancez! Putain, j'ai le seum. Chier. Attendez, avant d'ouvrir les portes, juste. Ta gueule! Merci. Déjà, je viens de tuer quelqu'un, on me fait pas chier. Eh, hey, dépêchez-vous là! Je vais perdre 20 000 balles, j'ai pas le temps là! Oh putain! J'annonce que je vais casser des bouches, genre. Casse-toi la vieille! Non mais. Non, c'est pas. Mais. C'est elle qui me saoule là! Avance! Putain, les vieux, bordel de merde, les vieux! J'ai pas le temps, je suis prioritaire! C'était la droite. Bonsoir. Je ne fais que passer, vous inquiétez pas. Je sais que je suis à contre-sens, laisse-moi tranquille. Je sais, t'inquiète. Putain, quel jeu de merde. J'ai rien à dire en fait, c'est un jeu de merde. Je comprends rien en route. Y'a même pas de ligne blanche quoi. Enfin, y'a rien. Alors je veux bien que je suis une île, hein. Y'a pas de soucis, hein. Mais sur les îles de base, y'a quand même des lignes blanches, hein. Parce que sinon, en fait, ce serait le bordel. C'est le principe. Oh, attends. Hop là, le petit plot c'était gratos, ça m'a fait plaisir. Comment ça, j'ai tapé quoi là? Je vais faire arnaquer, le jeu m'arnaque. Je le sens, le jeu m'arnaque.
ça avant, ça, ça et ça. Je fais nimp, là je suis pas concentré. C'est honteux. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi Grimdir, je suis totalement honteux. Senior, un trajet. 3,20€. Ouais, merci à vous. Voilà les gens, vu la thune que je viens de perdre, va falloir que je me bouge le cul là. Ça, je peux vous dire que là j'ai plus de thunes. Là c'est la merde. Là va falloir rouler là. Et arrêtez de prendre des murs aussi avec ce moment. On a plus le temps. Je vous le dis, on a plus le temps. Avance! J'ai pas le temps! J'ai plus d'argent! Oh putain, il s'arrête où là? Pourquoi il s'arrête ici? Ah ok, non, parce qu'il y a un point à droite. Ok, j'ai un dit. Faut que j'arrête d'être de mauvais soi. Quand même, un minimum. Un minimum de plaisir quand même. Tu veux rien comprendre comment ça doit marcher là? Parce que lui il arrête en plein milieu de la route, c'est pas ce qu'il fait. Oh, je passe hein. Et à un moment, voilà. Pourquoi mon arrêt 3 et avant mon arrêt 4, c'est pas logique? Pourquoi y'a rien qui est logique dans le jeu? J'ai pas le temps. Poussez-vous. Mais pourquoi mon arrêt 3 et avant mon arrêt 4? Je comprends pas le jeu. Le jeu il est cassé. Et hey Seb, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Enfin non, pas bienvenue du coup. Re-bienvenue. Comment ça? Mais attendez. Mais pourquoi mon itinéraire il fait ça? Oh ça m'énerve. Oh là je suis énervé. Pourtant il est logique mon itinéraire. Normalement on passe au 3 et au 4. Je comprends rien. Mais c'est ça vraiment, c'est un truc de ouf. Vraiment. Je vais tester juste parce qu'il y a une grand-mère qui s'est pas marché. Et pourquoi? Regardez, on est d'accord, le 1 il va là, tu suis la logique, il va là et après ça va au 3 et au 4. Pourquoi le 3 et le 4 après ça devient le 4 et le 5? Pourquoi ce jeu est cassé? Putain. J'ai plus que 9000$. Je suis jamais descendu en dessous de 100000$ dans le jeu. Je suis à 9000. Je suis trop dégoûté. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, à part ce jeu est nul. Ça je pense que tu l'avais compris. Si je fais ça par logique, c'est bon, non? Attendez, on essaie des nouvelles choses. On fait des choses expérimentales. Mais en vrai, c'est pas déconnant de faire ça. D'accord. Là, tu pars de là. Pif paf pouf, le 2. Pif paf pouf, le 3. Pif paf pouf, le 4. Pif paf pouf, le 5. Et après, tu rebouches chemin pour retourner au 1. Si ça marche pas, c'est-à-dire que le jeu est cassé. Voilà, je vous le dis. Et je suis pas content. Oh, tu le sens ou pas? Que je vais commencer à accélérer, tout le monde va vouloir traverser. Non, c'est bon. Allez. Non, j'ai que 13 secondes pour aller à l'arrière. Non, mais attends, je veux bien que je conduise vite. Ok, j'accepte. Ce jeu logique, illogique, mais c'est un truc de ouf. Attendez. Là, on n'a pas le temps là. J'ai envie de cut, mais je vais perdre de l'argent. Ouais, on va éviter. Bien sûr, ne reproduisez pas ça chez vous avec un bus. Évitez, c'est dangereux. Bon, du coup, mon cher Seb, tu viens de la Médinazia ou pas? Je sais plus. Faut me dire si vous venez de la Médinazia parce que moi j'en rappelle plus un. Ah, il y a des plots partout, hein. Ça doit sans doute être moi à chaque fois. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs, les gens. On s'en rappelle. Je voulais acheter un bus ce midi. Ah bah. Et bah écoute, au pire tu fais l'espérance et puis tu nous redis dans le chat. Ça on teste. N'y a pas ça. J'ai failli encore perdre 20000€. Non mais arrête de reculer. Accélère. Le panneau.
Je viens de reperdre 20 000 balles. Je viens de reperdre 20 000 balles. Je déteste cette île. C'est bon pour vous ? Je déteste cette île. Je la déteste ! Putain ! Chier ! J'ai le seum. Avance ! Avance ! Avance ! Avance ! Je vais te faire avancer, moi, grand-mère. Non, 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 non. Je suis à moins de 30 000 euros. Les bots, ils foncent sur mon bus. Ils ont foncé sur mon bus. Pas les couilles. Pas les couilles, je veux plus cet itinéraire de merde là. Ils vont faire foutre, moi je vais conduire à l'itinéraire 4. C'est tout, j'en ai rien à foutre. Mon saoulé. Voilà, je prends ce bus là, maintenant niquez-vous. Putain ! Bonjour Arnaud. Je te sais mort. Voilà, je vous le dis, je te sais mort. Au moins l'itinéraire 4, je sais qu'il fonctionne et qu'il est marrant à jouer. Ah, je suis énervé. Merde, c'est en face. Ah, ça commence, left behind, mais c'est bon, mais on me dit même pas qu'il faut m'arrêter. Putain, on fout le passeau rouge. On fout. La société APC Voyage, je vous annonce, c'est son dernier voyage. Bon, un coup, ok. J'ai pas le temps. Non, il y a de l'eau et de l'eau sur un tapis de souris, c'est pas bon. Mais j'ai trop le seum. Non, mais c'est vraiment ça. Non, mais attendez, les vieux, ils ont. Sur cette île de mort, les vieux, le seul truc qu'ils ont trouvé à faire de toute leur vie, c'est de se dire trop objectif. Traverser quand le bus arrive. T'as un truc de ouf. Oh, toi ta gueule à parler hein. J'ai pas envie de parler là, je suis mauvaise humeur. Thanks. C'est bon aussi. Chauffeur de bus trop vénère. Pas le temps, poussez-vous. Message de la banque, votre compte est à moins 60 000. Mais c'est un truc de ouf, j'ai commencé le live, j'étais à 160 000. C'est même plus une perte d'argent à ce niveau-là, là. C'est encore autre chose là. Mon banquier, il m'a demandé si j'ai fait exprès. En plus, il fait beau, c'est ça qui est bien. Et yo Tonti, comment tu vas? Ah, il est sur PS4, ça doit être comme GTA. Non, non, ah non, excuse-moi, j'avais pas vu ton message Cheb avant. Ouais, non, il est payant, il est que sur Steam. Ou sur les plateformes de... Dans les plateformes style... comment on appelle ça? Style G2A ou Instant Gaming. TMTC. Je vous annonce, j'ai plus le temps les gens, hein. J'ai 30 000 euros à rattraper. Hein. Et ça rapidement, donc là, je peux vous dire que là... Ça va carburer. Hein. Sortez, montez, dépêchez-vous! Même le banquier va démissionner, ouais, c'est ça. Même le banquier il fait j'abandonne, c'est bon, t'es trop con. J'abandonne. Ça va et toi? Bah, ça va, écoute, à part que j'ai perdu beaucoup d'argent. Oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Avance! Toi, t'as ton ticket? Et toi là? Le blondinaire? Pas bon, mais. Et putain. Allez bref, allez, hein, on se focus. Mais putain. Je vais péter un plomb. C'est bon, il a son ticket. Oh putain. Oh, ce jeu c'est une aventure, j'avais oublié. Pourquoi j'ai joué à ce jeu? Il m'a dépassé. Oh putain. J'ai pas le temps. Je peux pas que Black. Bah je voudrais bien en vrai hein. Merci. Merci Arnaud. Très gentil. Je pense que c'est la musique de la situation en ce moment.
RTC Tetris, hein, bien sûr. Putain, un jeu de mort. Vraiment, je suis assis deux fois derrière lui en mode monsieur, excusez-moi, vous avez votre ticket, monsieur? Monsieur, vous avez votre ticket, monsieur? Eh, monsieur, vous avez votre ticket, monsieur? Non, je l'ai pas fait exprès, bordel de merde. C'est juste que ce jeu est mal branlé de ouf. Regarde, regarde, regarde. Il était là. Il était là. J'avais mon curseur dessus. Et quand tu mets ton curseur là, ça te met sur le siège. Explique-moi. On va essayer. Ok, là ça s'est passé. Faites quoi? Vous faites. Ah, toi, ok. Here you go. Attends, oui, 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 j'arrive, j'arrive. Alors, je veux bien tout à l'heure, j'ai laissé passer. Mais alors, si toi t'es une étudiante, hein. Vraiment, hein, bordel de merde. Hein. Je sais pas combien de fois t'as redoublé, hein. Et à un moment, il faudra m'expliquer. 14 balles à 30, bah ça va aussi. Thanks. Ouais, thanks, ouais. Putain. Ce live est horrible. Titanic, le bail, le chauffeur qui se met en passager MDR. Ça a changé la RATP. Allez, pause, usez-moi, ça me saoule. Je suis énervé. Alors là, vous avez peut-être pas compris, mais en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il a jamais vu un chauffeur aussi rapide. Ah, je suis tombé de route, c'est pas grave. C'est le beau jeu, c'est le beau jeu. C'est bon, je vous le dis, hein, j'ai plus le temps. Hein. J'en ai... Ton accent anglais, thanks. I speak English very bien, my friend. Aïe, ça c'était un obstacle. Oh, j'ai tapé un petit mur. Ça va, c'est parce qu'il y avait un feu rouge pour ça. Et oui, non, j'ai un accent anglais parfait. Et je parle très bien anglais, hein, faut le savoir. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'à la Mélinasia, il y avait des gens qui me disaient You speak English? Je faisais non. Non, non. Parce que, en vrai, j'arrivais à me faire comprendre. Vite fait. Pas tout le temps. Mais genre, les gens, ils arrivaient à me comprendre de temps en temps. Enfin, genre, pour un sticker, je faisais one stick, one follow, one sticker. Et bonjour, il y a la wifi dans votre bus? Attends, on va vérifier. Alors pour l'instant, je te le dis non. Il n'y a pas de logo Wi-Fi. Ah, mais il n'y a personne dans mon bus. Oh, ils sont amoureux! Plus jamais de ma vie, j'installe ce jeu. Plus jamais. Bref, allez, on y va. C'est pas grave, on s'amuse, c'est rigolo. Allez. Je vais courir derrière le bus, j'ai très envie. Je suis dégoûté. Il s'ambiance tout seul, les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, et comment tu vas, Oufire? Du coup, j'ai... Oh là, pourquoi ça lag? J'ai 30 FPS sur un jeu de mort. J'ai 17 FPS sur un jeu claqué au sol. J'ai une RTX 3070, ça sert à quoi? Expliquez-moi. Je peux pas ouvrir un bouton. Je pète un plomb. Je pète un plomb. Cela, rien ne va. Voilà, m'en élever, s'il te plaît. Ok, c'est bon, je survis. J'en peux plus. Mentalement, je vous promets que c'est dur. Et regardez-le accélérer pour juste qu'il se prenne le bus. Putain. Oh, c'est énorme. Allez, avance le bus là-bas. Allez, petit bus. Non mais. Sur ma gueule ce jeu. Ah, super, tu vas me donner envie de me mettre. Simulation de conduite à force. Ah bah pas celui-là. Honnêtement, juste ne commence pas par celui-là, s'il te plaît. Commence par un Euro Truck. Un jeu respect... ou un Fly Simulator si tu veux au pire.
Ce sont des jeux respectables. Ce jeu n'est pas respectable. Putain, j'en peux plus. Désolé, j'ai pas réussi à suivre le chat, mais c'était un peu dégoûté de tout ce qui se passait en même temps. Ah là là. Vol l'hôtel d'un passager, faire un partage de coups sur le tête. C'est pas bête pour faire de la bonne wifi. Pas bête, c'est pas bête. Conducteur non joueur suivant cet itinéraire a une efficacité de 100%. Je suis fier de le savoir, sachez-le. C'est quoi, on le fait de la thune? Alors, faisons qu'on continue l'émission, les gens, parce que là on a plus de thunes. Alors, je vous le dis. Il va falloir se battre. C'est... Attends, par contre, les gens, entre nous, y'a que moi qui vois rien ou vous aussi vous voyez rien? Tu vois, c'est strictement. Là, dans la nuit, je ne vois strictement rien, faut se le dire. Moi, je découvre des routes là actuellement. Je découvre des choses actuellement, sachez-le. J'essaie de comprendre les lignes blanches. Je devine des choses. Bonsoir! Merde, j'ai oublié de mettre la genouillement encore. Non, en vrai, on voit rien. Ok, c'est bien, je me le disais. Attendez, du coup, pour régler ça. De toute façon, on a le temps maintenant, de toute façon, on est plus à ça près. Hein. Graphique avancé, je mets une soirée sans ça. Pif paf pouf, pif paf pouf, c'est où là? Attends. Me dis pas quand même que tu peux pas régler le seul truc que tout le monde peut régler quand même. Allô, s'il vous plaît. Bon, entre nous. Non mais entre nous. Non mais entre nous, on peut quand même. Enfin, non mais la luminosité, enfin tout le monde, même un jeu. En bêta ou en alpha, on peut gérer ça. Non, pas comme ça. Non. Entre nous, Chimène Badi, j'ai pas la ref. Genre, je vais pas te mentir, j'ai pas la ref, Oakfire, je suis désolé. Non, mais entre nous. Ah oui, ils sont PS4. Bah, ne l'achète pas. Voilà, je te le dis comme je le pense, Seb. Ne l'achète pas. C'est honteux. Ah oui, de ouf. Non mais attendez, non, mais entre nous, on regarde à deux quand même. Attendez, on va quand même vérifier quand même que. Attends, peut-être que je suis. Non mais entre nous. Langue, comportement des rampes, agenouillement automatique, autoriser le limiteur de vitesse, démarrage rapide du bus. Prendre les commandes. Hein. Non, entre nous. Non, mais entre nous. Non, mais c'est. Non, mais entre nous. Non, mais. Bon, c'est pas grave. Vous, moi, l'avantage, c'est que je peux vous monter la luminosité du jeu. Ça, c'est bien. Merci OBS d'exister. Parce que, bon, quand tu joues à un jeu de merde comme celui-là, autant vous dire que si t'as pas ça, bah, tu fais rien. C'est pas grave, vous inquiétez pas, regardez. Parce que on fait ça, et on fait. Bim, bam, boum. Ça fait encore pire. Je vais crever. Un peu de contraste peut-être. Alors, je vous ai mis un peu de contraste. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais penser à Alex. Alors je me dis que ça dit Alexim mais avec un point d'exclamation. Joueur Rainbow Six, tu vois qui c'est? Pas du tout. Je suis très fan de FPS, mais alors pas du tout de Rainbow Six, je vais pas te mentir. Donc désolé mais non. Je viens de croire. Et j'espère que c'est un très bon youtubeur, comme ça au moins mon ego est flatté quoi. Est-ce que c'est mieux ou pas pour vous? J'ai mis un peu plus de contraste. Parce que bon, j'ai l'impression qu'on peut pas monter ça dans le jeu de ses morts, donc pas grave. Ça on a dit, on restait positif aujourd'hui. Il est super drôle. Bah écoute, j'irai voir. Du coup c'est un youtubeur ça. Pas streamer, youtubeur. Allez. Oh, les culs de poule. Ah c'était là. Ouais mais je vois rien. Non mais attendez, je gère. Vous inquiétez pas, je gère. Non, putain, je gère pas. Vous inquiétez pas, je gère pas. Bonsoir.
Bah moi j'ai joué un petit peu, sinon je suis à peu près seul avec, avec Van Nad à jouer à Rocket League. Et moi je joue plus trop parce que je suis un peu déçu d'une nouvelle mise à jour. Et que le jeu m'a un peu saoulé aussi à fort, je vais pas te mentir. Mais honnêtement non, le jeu est quand même bon. C'est le frère de Tony FPS. Oh ça me dit quelque chose Tony FPS. Ok ok bah intéressant. Hop là. Mais oui du coup bah moi du coup pour faire un bon palmarès quand même parce que voilà on se la pète quand même. Moi j'étais du coup je suis monté bah, pas très haut mais je suis monté genre champion 2 sur le jeu. Enfin, on va dire un très low champion 2 et enfin dans j'étais on va dire que j'étais mid champion 1. Mais maintenant là, vu que j'ai pas vu depuis longtemps je pense que je suis genre diamant 2 grand max. C'est déjà pas mal là, au final. Hein. Un pop viewer Rocket League. Alors le problème en fait c'est que Jayco n'aime pas du tout Rocket League. Il apprécie vraiment pas le jeu, donc c'est un peu compliqué. Mais si à un moment il est. Si vraiment il y a beaucoup de gens que vous. Enfin si vous êtes beaucoup à demander du Rocket League, au pire moi je pourrais reprendre un de ses lives pour faire un pop viewer avec. Parce qu'il n'y a pas que Jayco qui est obligé de faire des pop viewers, hein, loin de là. Du coup moi aussi je pourrais peut-être faire un pop viewer sur Rocket League, y'a pas de soucis. Oh ça c'est un arrêt parfait ça je reconnais. Comment ça tu veux appeler ton banquier? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise encore? Attends, les tickets étudiants, on juge? Ok, c'était le premier vrai étudiant qu'on a depuis le début. Ça c'est beau. Thank you. Mais. Je lui ai pas rendu sa monnaie? Oh non. Attendez. Bonjour, il me reste une minute. Contrôle de routine. Tout le monde son ticket? Tout ma gueule, non pas toi. Si, ok. Ah oui, je suis con, je lui fais payer. Putain, mais tout le monde son ticket? C'est quoi ces mecs? C'est quoi ces mecs civilisés là? Pas fait de conneries, je vais acheter une maison. Ah si c'est une connerie. C'est le pourboire, c'est possible en plus hein. Mais bon c'est tellement mal indiqué dans le jeu qu'à tout moment en fait tu comprends pourquoi juste le mec s'en va comme ça tu vois. Surtout que j'ai quand même rendu selon le jeu 2€ tu vois. Après si jamais le gars à tout moment il me sort 50 000€ de pourboire, je serais peut-être pas contre. Carte d'identité demande lui. Pourquoi une carte d'identité? Je suis pas de la police monsieur quand même, heureusement. Ah ouais, le feu rouge était ultra rapide. Ils sont pas fait respecter les pauvres. Il y a une voiture qui est passée, bam, feu rouge. Pour son âge. Ouais, bah, en vrai, la gare ça pourrait être marrant, mais bon. Alors déjà que le jeu a du mal à gérer ça, donc si on lui demande en plus de gérer d'autres trucs, on va éviter. Hein. Non, tu te fous de ma gueule. Non mais il se fout de ma gueule lui. Lui, je suis sûr que c'est un mec qui était sur l'île avant lui. Non, non, attendez, non, je suis arme. Non, je regrette. Allez, donnez-moi la moulaga. C'est pas beau de fumer, de vapoter. Oui, je sais. Après, c'est mieux que de. Merde, un souvenir, pardon. C'est mieux que de fumer tout court, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est mieux, mais voilà, faites pas chier. Jugez pas ma logique foireuse. Comment ça? Alors ça, vous avez entendu ou pas le petit bruit de plastique là? Ça c'était mon volant qui vient de se casser actuellement. Alors non, il est pas cassé, mais c'est vrai qu'il a pris un peu cher sur ce demi-tour. Oh là là là. Bon, ce début de game se passe très mal. Pour un dernier live, honnêtement, je finis pas sur une bonne note pour l'instant. Mais c'est pas fini. Un passage doit descendre. Casse les couilles. Oh là 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 là, tu fais chier le vieux, tu fais chier là avec ton incontinence. Oh non, pardon, fais pas ça. Quel connard, mais quel connard le vieux. Oh, il se peut que j'ai loupé mon virage. C'est la logique du jeu, j'ai juré. Non mais en plus, faut savoir que. Alors je sais pas si c'est pareil en France, mais j'avais une vidéo sur des chauffeurs bus suisses où ils ont littéralement interdiction, et c'est logique hein, d'ouvrir les portes, même si un passager est genre en mode genre ouvre-moi connard tu vois. Ils ont interdiction d'ouvrir les portes pendant qu'ils conduisent. En gros, ils sont obligés de s'arrêter sur un arrêt, tu vois. Remember
Et du coup, t'as trouvé une maison au final, Tonti? C'est bon, voilà. Bon, est-ce qu'on tente de retourner sur l'itinéraire 5, les gens, ou pas? Est-ce qu'on le tente? Bah, en fait, je me dis qu'en fait, en France, des fois, on a des règles un peu ridicules, donc c'est pour ça que je me pose la question. Vas-y, go. Bon. Focus, on s'énerve pas, ok? Allez. Ah, faut ouvrir la porte, c'est vrai. Sinon, je vais me faire avoir encore. Je vais me dire, ah, t'as oublié des passagers sur... Pardon. Putain. Voilà, c'était ma petite danse. J'étais pas prêt à ce que tu me mettes ça dans la gueule. Mentalement, j'étais pas prêt. Mais c'est même plus un bouchon à ce niveau-là, c'est encore autre chose là. Ça va vous? Non, parce que là ça va être long. Hein. Ça va vous? Ça va les oreilles? Attends. Même que le gars dans le bus derrière toi il y a 5 minutes. C'est-à-dire. Ah oui, putain, le mec avec les écouteurs, j'ai pas compris. Ah, c'était un peu ça, ouais. C'est-à-dire que le mec, c'est, je le regarde dans les yeux, il me regarde en mode. Tu sais, il me regarde en mode. Je dérange pas, hein? Non! Connard. Culé de vieux. Allez avancer, bordel de merde. Mais c'est quoi qui vous bloque là? Pourquoi vous paniquez? Et yo, Hermine Granger, comment tu vas, Hermine Granger? Oui, bien sûr, j'étais obligé de trouver ton pseudo, je suis désolé. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Ouais, bah t'es happy, mais alors j'en ai rien à voir que tu sois happy en fait. Calme-toi, le mec. J'ai pas le temps, mon esprit. Bien, et vous? Bah écoute, ça va super. Alors, n'hésite pas à me tutoyer hein, si tu vous vois, honnêtement. Enfin, je veux bien que j'ai une tête de vieux, hein, mais le dos droit. Alors, j'ai déjà le dos droit en fait. En fait, c'est que ma chaîne n'est pas très droite. Bien sûr, je peux conduire comme ça, mais bon, enfin, j'ai l'air d'une perche vivante quoi. Putain, mais il s'arrête là, les potes, je comprends rien. Ah non, pas lui. Et putain, mais et c'est. Honnêtement, j'ai beaucoup vanné. Eurotruck sur leurs IA. Alors, les IA d'Eurotruck en fait sont des IA parfaites, sachez-le. Parce que par rapport aux IA de ce jeu de ses morts, y a rien à voir. Bonsoir. Je vous 0-0, d'accord. Un ticket, please. Oh, tu vas. Allez, vas-y. Ticket étudiant, vas-y, j'accepte. Je peux commencer à devenir chiant, parce que bon. Si on veut avoir des problèmes. Bon, j'ai pas le temps. Ah, la Geekfest d'Angers? Ah. Bon, c'est bien passé du coup, t'en as pensé quoi du coup de la Geekfest? Vas-y, nos indicateurs. Ah ouais, mais j'avais pas enlevé mon indicateur, mais normalement ça enlève tout seul un indicateur. Un clignotant, pardon, excusez-moi. Oh non, c'est. Oh, c'est le moment du bug, je stresse. C'est bon, j'ai réussi à m'arrêter. Ok. Pas de mouvement brusque, sinon on va taper 10 000 personnes. Un ticket, please. Ticket plein tarif. Un trajet. 2,20€. Hein? Pas 2,20€? J'y vais, bon après-midi à toi, si merde pour aider. Pas de soucis, Seb! À la prochaine, au plaisir! Salut! Alors non, c'est un Warthog, c'était une bouteille d'eau. Merci beaucoup d'être passé! Salut! 8,20€. Bim! La vitesse! On va y aller tout doucement. Tout doucement. C'est bon, on est passé. Oui. Et bonjour Kiflenoubi, comment tu vas? Et bienvenue à la gare Anjou Popcorner. Asseyez-vous et prenez
Un magnifique sandwich au wagon bar à 10,50€, n'hésitez pas. Bien sûr, en réduction. Sponsorisé par Pringles. Bien. Mais du coup, que je voulais dire quoi? Si jamais ça t'intéresse, moi du coup j'ai fait un petit débriefing de toute la Geekfest qui sera upload ce soir sur YouTube. Sinon tu peux le retrouver en replay sur cette chaîne, donc voilà, n'hésite pas. Je suis trompé de route, je suis trompé de route. Ah non, du coup je reviens. Hein? Non, je reviens pas. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas. En tout cas, bah écoute, si t'as passé un bon moment, c'était quand même ma foi l'essentiel. Qu'est-ce que t'as apporté notre petit stand? Alors du coup, en fait, j'ai vraiment fait de la merde là. Mais je peux pas faire demi-tour moi le jeu en fait, si tu respectes les règles. On peut s'arrêter au 5, un peu comme des sacs, en mode entente. Est-ce qu'on peut skip un arrêt ou pas? Pas du tout. On peut pas du tout skip un arrêt, c'est pas possible. Au salon du Geek Saint-Quentin, effectivement c'est plus vieux. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, mais pourquoi mes warnings sont restés allumés? Mais oh, Saint-Quentin, moi je l'ai pas fait, je sais que moi, enfin moi personnellement je l'ai pas fait. Saint-Quentin c'était, j'ai pas la, maintenant j'en peux plus tout, enfin Saint-Quentin, je sais même plus quand c'était. C'était il y a longtemps, non? Ou je me trompe totalement? Alors je reçois des messages Discord. Ouais, Karima était solo à ce moment-là, non? Ok. Ok, tu m'as chauffé, Vanaz. J'aurais pas le temps, mais c'est pas grave, tu m'as chauffé. Et j'avoue. Ah, ça tombe pas un bus. Aïe, un arbre. J'ai beau être matinal, prendre un arbre, ça fait mal. Bonjour. Elle est traversée devant moi. Alors, je suis un peu en retard, mais je peux tout vous expliquer. Comment ça va, Van Lade? Comment tu vas? Pas trop fatigué, monsieur Van Lade? Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ticket journalier imprimé. 6,20€, voilà, donne-moi de la moula. C'est bon? Tout le monde est monté? Oui, j'arrête les cigares si tu veux. Ok, tout le monde est monté. À skip. Donc là, c'est le moment du passage piéton. Ok, on passe. Ça passe. Non, mais j'ai tapé quoi là? J'ai tapé un petit rocher, ça me fait des dégâts. Mais non, mais. Il y a un moment, ça m'énerve. T'as pris quoi comme sticker du coup? Je peux me permettre de t'appeler Armin, ça te dérange pas? Mais il y a un nombre de gens qui traversent ces putains de passages piétons, c'est grave hein. Est-ce que c'était toi avec Kirema au salon du geek? Non, ça veut pas être moi. C'était en février, moi j'ai commencé à faire mon mani, donc week-end au soleil levant. Donc non, ça devait pas être moi. Ça devait être Todalf, ouais, c'est bien ça. Allez là. Allez, avance. Portable. Oh. Allez, cassez-vous là. Pardon, excusez-moi. Bah, l'autre il se fout de ma gueule. Il veut quoi lui? Je vais le goumer. Comment tout le monde est sorti? On est reparti. Naruto, ok. Mini. Et Pokémon. Oh, stylé. Écoute, tu t'es follow à 3 réseaux. J'ai bien suivi. T'as vu, je t'ai calculé. Et je sais lasser mes chaussures 2x2. Moi, de toute façon, si jamais vous me voyez en convention, les gens, dites-vous que j'aurai toujours cette casquette-là. Vous pouvez pas me louper. C'est-à-dire que vous pouvez confondre peut-être les autres parce qu'ils ont pas tout le temps des casquettes. Moi, j'ai tout le temps une casquette. C'est pas dur, tout le temps. Vous ne verrez jamais sans casquette parce que c'est mon personnage. Parce que c'est mon projet. Non, pardon, c'est ça autre chose. Au moins, vous me direz, au moins je suis facilement reconnaissable.
Non, je suis prioritaire, je suis un bus. Chez. Hop là. Oh, les passages piétons de l'enfer. Non, j'ai pas touché, putain. Oh, le jeu me déteste, moi je vous le dis. Le jeu me déteste, je le sais. Pif paf pouf, pif. Moi je sais plus ce que j'ai pris, mais je n'ai pas follow Insta et Twitter, mais sinon j'ai tout follow. Ah oui, donc tu te fais quand même plaisir, t'avais quand même pas mal de stickers. Et je fais une offre, bah ça marche. Bah écoute, bonne offre à toi mon cher tonti, et puis on espère que ça passe hein. Courage. Tu peux le faire. Non mais la vieille, casse-toi la vieille, casse-toi. Je me suis mis bien. Ah là là là. Bah c'est cool. C'est cool. Mais déjà au moins tu es revenu, ça c'est beau. Vous êtes des belles personnes les gens qui reviennent, par rapport aux gens qui ne reviennent jamais. Voir qu'ils se unfollow dans la minute aussi. Ça c'est rigolo ça. Ah, y'a un mec qui ronfle derrière moi, je vais le goûter. Voilà, sachez-le. On a le temps. Il dort où l'autre? Est-ce qu'il dort? Toi? Oh! Ok, bon j'ai 3 clients et 3 ont un ticket. C'est triste. Et bonjour Pandora, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon, on a bientôt fini ces objectifs. Par contre, il va toujours falloir que j'aille voir ce que c'est qu'un bus GNV. Si bien quelqu'un peut aller voir sur internet ce que ça veut dire bus GNV, je serais pas contre. Je vous le dis. J'appelle à l'aide. Peuple de Google, pouvez-vous m'aider? Et que je me réabo au prochain salon, j'ai encore les stickers? Non. Non, et puis c'est pareil, enfin. Monsieur, est-ce que. Monsieur, avancez, s'il vous plaît. Non, mais avance! Putain. Je veux le taper? Je le tape pas. Supportable! Ça attend pas mieux de la route, les gens. C'est pareil, on vous voit avec vos seconds comptes, hein. Croyez pas, hein. Du coup, c'était ton premier salon, Attends. Attends, au secours. Wow. Bah écoute, ça va, ça va. À part que... À part qu'on va pas se mentir, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que les gens traversent sur cette putain d'île de merde. Mais en dehors des passages piétons. Et du coup, c'est 20 000 balles à chaque fois que tu tapes quelqu'un. Oh, un plaisir. Je suis triste. Ah bah c'est comme ça. Hello. Mais du coup, Grimnir, c'était ton premier salon ou pas? Ah non, mais c'est un truc de ouf. En fait, les autres, en fait là, c'est vraiment l'enfer pour conduire dedans, quoi. Genre, les gens ne respectent pas les passages piétons et tout, c'est vraiment l'enfer. C'est un bus au gaz naturel. Pourquoi au gaz naturel? Comment ça? Tu veux dire par rapport au bruit? Je peux te dire que je pense que c'est du mazout à l'intérieur, on va pas se mentir. Hein. Ok, donc là c'est la guerre. Regardez-moi l'ordinateur, comment ils, qu'est-ce qu'ils font? Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! La moitié de la population de l'île traverse ça. Ah non, gaz naturel de ville! Mais c'est de la merde! Comment on peut savoir si c'est leur gaz naturel, mon putain de truc? C'est quoi ce jeu? Ah mais attends, mais tout le monde va ticket, c'est quoi ce truc? Étudiant, journalier. 1, ok, 460. Thank you. Toi aussi tu vas? Mais oh putain, un senior, ok, un trajet, imprimé, 8,20€. Ok, toi aussi? Non, c'est bon, toi t'es pas chiant. J'ai pas la signification du V. C'est quoi le gaz naturel de ville? Enfin, le gaz naturel de ville, je sais ce que c'est, hein, mais. Pourquoi il me demande ça dans le jeu? Genre il veut te faire un message écolo dans le jeu ou comment ça se passe? Du coup il va falloir qu'on achète ça, sauf qu'on a plus de thunes. Voilà, moi je vous le dis, on a plus de thunes. Je vous le dis, taper des petites vieilles sur les passages piétons, ça coûte de l'argent.
Normalement on devrait être remboursé par la sécu, c'est le contraire. On doit rembourser la sécu, moi je comprends pas. Où va le monde? Pardon. Faut vraiment pas que ça... Ah non, je suis encore trompé de route. Attendez, tant pis. Là j'en ai rien à foutre. Moment. On va pas m'enquiquiner. Oh non, pas encore. Oh attendez. Oh alors toi. Putain. Ah, je vous promets, hein. Ta gueule! Putain! Je vous promets, hein. On n'est pas aidé tous les jours. Hein. Et ferme les portes! Il veut pas accélérer. Ah. La pauvreté. Mais ouais, mais. Pff. C'est un truc de ouf! J'avais 160 000 dollars, mais bon. Qu'est-ce que je m'en fous du gaz de ville, moi? Ah, je vous le dis, ça m'énerve. Allez, rentrez là. Peu de thunes. Just one ticket, please. Un plein tarif, un trajet. J'aime bien la bienveillance, la gentillesse. Aussi, tout pareil. Tout pareil. Un senior, journalier, imprimé, 4,60€. C'est comme si c'était fait, madame. Bonne soirée. Quoi, à chaque fois, je prends un accent comme ça quand je donne un ticket. Ah, c'était ton premier Geekfest. Oh, intéressant. T'avais fait d'autres salons avant ou pas? Non, mais alors toi déjà t'es un gros connard. Et en plus de ça, tu me bloques la roue, du coup je peux pas avancer. Putain. J'en peux plus. J'en peux plus. On est parti. C'est marrant, j'ai la même réaction dans ma tête quand quelqu'un écoute de la musique. Ah non, mais alors, ça c'est vrai qu'on n'en parle pas. Hein. Alors, les gens qui écoutent de la musique ultra fort, hein, c'est insupportable. Hein. Moi j'en avais dans mon internat, hein, j'avais envie de les défoncer leur gueule, hein, c'était insupportable. Hein. C'est le truc qui m'énervait vraiment beaucoup, moi. Genre, tu peux rien faire avec des mecs comme ça. C'est comment on est payé avec ce trajet de tes morts? Je voudrais bien être payé à un moment, en fait, avoir de l'argent, un truc que je n'ai plus sur ce jeu. Alors dans le bus du coup ça doit être encore pire. Ah non, ça va pas être pire du coup, mais ça va être pareil, ça va être très vite énervant. C'est quand même un gros manque de respect en l'occurrence, hein. Alors je veux bien que dans le bus en l'occurrence on entend quasiment rien avec le bruit du bus et tout, mais bon, même. Après ça vaudra jamais mon fameux bus de nuit quand je suis rentré de Clermont. Donc Clermont-Ferrand, voilà les gars, étaient en 48h et tout. Et moi du coup je commence à préparer à rentrer, que le Vanland me dépose. J'ai deux bretons, vraiment des bretons pure souche, j'en suis sûr. Qui sont arrivés dans le bus, les mecs parlaient plus fort que le bus. C'est-à-dire que le bus fait quand même beaucoup de bruit. Mais eux, non! Ils arrivaient à parler plus fort que. Enfin, de faire plus de bruit que le bus. Mais moi, j'étais en admiration en face d'eux. J'étais en mode, vous êtes tellement cons que je suis admiratif. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment c'est possible. Non mais, vous inquiétez pas, c'était fait exprès, c'était le beau jeu. En vrai j'ai pas tapé le mur, c'est faux, t'inquiète. Tu étais où, à quel stand? Ah non, il a pas fait le même salon que toi, lui, il a fait le salon du geek à Saint-Quentin, pas pareil. Bon c'est comment on est payé de ce putain de 13, parce que ça fait quand même 3 fois que je le fais, hein. J'ai un moment, moi je vais te payer. Donc donnez-moi de l'argent. Donnez-moi de la moulaga, comme dire. Je suis encore à moins 5000, mais. Je transfère ce trajet pour rien. Ça m'énerve. Champion de ta voiture. Mais. Ouais, je suis énervé, je vous le dis, je suis énervé. La faute, ces gens ils savent pas conduire aussi. Bon, écoutez, on va faire un autre truc parce que ça m'énerve. Déjà, on va aller voir combien ça vaut un bus GNV là. Comment ça? Ah non, d'accord, parce qu'en fait, ah oui d'accord, attends, faut que j'abandonne mon itinéraire. Quitter le bus, je me casse. Je me tire, pas pourquoi j'ai quitté la partie. Voilà, merci. Donc je suis toujours avec moins 5000 sur le compte, hein. Ça c'est bien, c'est que vraiment on est bien.
Kelly, de danser quand tu conduis. Bah écoute, je fais ce que je veux. Hein. Alors, un bus en gaz de ville, comment c'est ça? Diesel. GNV. 330 000 balles! C'était donc un beau let's play. Merci à tous d'avoir suivi ce let's play. Moi, je vous laisse ici. Moi, c'est la fin. 330 000 balles. C'est non, non. Bon, je vais manger mon goûter. Bah, écoute, bah, bon goûter à toi. Allez, dépense. J'ai 5 000 euros. Non, j'ai même pas 5 000 euros sur mon compte. J'ai moins 5 000 euros sur mon compte. Comment tu veux que je dépense ça? Attends, on va voir si j'accepte le jeu. Mais non, le jeu, il accepte. Oh, trop bien. Oh, quel plaisir. Je vais avoir 300 000 euros d'emprunt. Ma passion. Attendez. Eh non, mais attendez. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Est-ce qu'on n'irait pas vraiment vers le vrai? Genre, le vrai bus de compétition GNV, genre. Lui. Écoutez, tant de perdre de la thune, autant acheter le plus gros. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau cette perte d'argent. C'est même plus dans le rouge à ce niveau-là, c'est encore autre chose. Hein. Moi, je te fais du gaz si tu veux, ça te coûtera pas 235 000 dollars. Ouais, mais alors avec Fire, va falloir que tu sois très productif comme gars, quoi. On va pas se mentir, je veux bien que je peux te faire confiance, mais bon, là, va falloir que tu sois très productif quand même. Comment on ferme toutes les portes? Allô? Ah, bah non. Ah, bah non. Ah, bah attendez. Hein? Ah bah attendez. Ah bah attendez. Attendez. Num 2, ok, machine à ticket, ok, ralentisseur, contact, compteur vitesse, enjeu de mouvement. Rampe, porte 1, porte 2. Comment on ferme toutes les portes en même temps sur ce truc de merde? Lumière principale, faute de détresse. Ah, faut les fermer à la main? Ah bah non. C'est pas super. Merci beaucoup pour tes bits, Vanlad. Avant d'aller bosser, bah bon courage, Vanlad. Bon courage, merci beaucoup d'être passé. Salut. Il y a mon chat. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, très bien. Il est beau. Écoute, j'irai voir ça après. C'est donc toi qui spam le Discord depuis tout à l'heure? C'est en tant que les notifications de Discord, j'en peux plus. Ah bah non, mais les portes sont fermées là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas démarrer mon bus? Mais attends, t'es marrant toi. Attends. Elle était pas fermée? Tout de ma gueule? Ok, donc ça c'est un. Ok, faites un trajet de test. Ah bah là, t'inquiète pas que je vais te tester parce qu'à 330 000 euros, t'inquiète pas que. T'inquiète pas, je vais le tester ton bus de merde. Hein. J'espère qu'il roule vite. Hein. C'est un bus au gaz. Je sais pas c'est quoi la diff. Mais ça roule plutôt bien. Écoutez, nous quand on teste quelque chose, on le teste vraiment. On le teste pas. Bah voilà. Et bah écoutez, on va être endetté de 335 000 euros. Enfin non, même plus. Du coup, 355 000 euros. Ça c'est beau. Vous ne pouvez pas acheter ceci pour le moment. Putain, tu casses les couilles. Y'a pas moyen de glitcher le jeu? Attendez, on va essayer de glitcher le jeu. Non, y'a un mur invisible, fais chier! C'est pensé à tout. Mais putain, mais ça casse les couilles! Comment on fait pour finir le jeu maintenant? Non, mais 330 000 balles, attendez, y'en a quand même un moins cher, rassurez-moi. Attendez, parce que là, ça va pas du tout là. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une carrière. On peut faire un emprunt à la banque?
Garage, paramètres d'entreprise. Ouais. Ouais. Changer d'apparence, paramètres du jeu. Mode hors ligne, mot de passe. Non. Statistiques. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux. Y'a pas moyen, genre. Attendez. Y'a pas moyen de. Genre. Si on peut vendre des bûches. Tu peux une idée, hein. On a 5 bûches si on les vend. Je suis sûr, on va leur vendre 2 bûches. Bah ouais, mais j'en aurai combien si je le vends? C'est la question. Combien je gagne si je le vends? C'est bon, voilà. Attends, j'ai des photos de chat postées. Alors battez-vous, mais pas dans ce chat, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille, j'irai voir ça après. Et sinon, les gens... est-ce qu'on irait pas voir sur jeuxvideo.com s'il n'y a pas un petit code de triche qui peut se perdre? Vas-y, hein, dis-nous. Hein. Dis-nous que venir, je suis chaud. Je suis chaud, vas-y, moi je suis chaud de savoir. En vrai, attendez, les gens. Attendez. Bus Simulator 21. Pas crack, cheat. Attendez. Ah ouais, alors par contre, je suis pas trop convaincu par un mode que tu rajoutes dans le jeu. Hein, Ouais, non, vous êtes mignon, mais non, moi j'ai juste un code de triche. Hein. Il pleut dans ma douche. Comment ça, il pleut dans ta douche? Ah oui, il pleut dans ta douche. Oui, ça me paraît logique. Mais tu sais savoir un truc marrant? Du coup, tu sais savoir que l'eau, ça mouille? J'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est chiant. C'est vraiment pas marrant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend? Alors par contre, l'effet de l'eau alors qu'on est dans un garage, c'est pas ouf le jeu. Allez, on vend. Allez. On a plus rien. On a combien? Ah, on a 405 000 €. On est riche. Allez. C'est parti. Un petit but GNV là. M'en dire les nouvelles. Mon objectif quand même de base c'était quand même d'avoir celui-là. Hein. On va pas se mentir, mais bon. Pas grave. Allez. On va prendre un petit GNV là, comme on dit. Prends lequel? Lui. Regarde, là je suis con. Allez viens là mon petit man, t'es à moi maintenant, tu m'appartiens. On a plus de bus, on a mis tout le monde à la retraite, mais au moins, on avance dans l'émission. Alors qu'est-ce qu'il me dit lui? Allez B. Pourquoi il bloque encore mon jeu? Il va me dire qu'il a encore une porte de fermée. Putain mais. Y'a pas le bouton pour fermer les deux portes. Allez oui. Oui. I'm really looking forward to going there by best myself. Excusez-moi. I agree that Golden Island is indeed. J'ai plus rien. J'ai plus d'économie, j'ai plus rien. Mais j'ai un bus au casse de ville. À quoi ça sert? Me demandez pas, je sais pas non plus. We just have to show them Golden Island's charm. We could use Golden Island to show Golden Island at its best. Oui, Golden Island à Westwood. Alors, oh, well, alors vous m'entendez? Là, c'est le moment dans ma vie où il est 16h19, où littéralement on va juste faire un dernier truc, et après on va arrêter parce que flemme, parce que j'ai plus de thunes et parce que c'est la crise. Ok? Ça vous va? Très bien. Et du coup, ça sert à quoi en fait le budget NV? Parce que littéralement un bus au gaz, comment ça marche? Alors c'est con hein, comme question, mais comment ça marche? Au secours. Bon, on va choper un itinéraire. Quel itinéraire on a envie de faire? Le 3, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ou le 2 peut-être. C'est des bus de trucs ou de jours ou pas? Je sais plus. J'ai envie de faire un truc où il y a beaucoup de gens. En vrai, je crois qu'il y avait moyen de passer le temps dans le jeu, mais je sais plus comment on fait. Info. Pif pouf. Le 1 ou le 2? Le 2, hein. Le 2, ouais, mais le problème c'est qu'il faudra le faire en journée. Comment on fait pour passer le temps? Je sais plus comment on fait dans le jeu. Avancer le temps. Ouais, vas-y, go à 10h du mat.
Appliqué. Hop là. Vivement le bus au colza de Beyrou. Non mais je suis d'accord, hein, des ouf. Hein. Je comprends pas enfin, l'utilité de ce truc, mais bon bref. NP, comme on dit. Hop là, on est parti. En plus on est à côté, c'est beau. Oh non, pas du tout, en fait, on est pas du tout à côté. Bonjour, j'ai un bus au casse de ville, je suis prioritaire. Pouette, pouette. Alors par contre, c'est par où faut aller là? Ok, c'est par là. J'ai la ref. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, oui, je peux éteindre les effigies là, c'est bien. Allez. J'ai un bus au casse de ville, je suis prioritaire. Pas le temps, mon esprit est ailleurs. C'est sportif, hein. Je vous promets que conduire un bus c'est plus sportif que conduire un camion dans Eurotruck, hein. Ah, petite vieille. C'est un petit vieux. On est arrivé. On va tester ce bus au gaz de ville là. J'espère que ça fonctionne. Hein. Bonsoir. Ah, j'ai oublié d'agenouiller le bus. Je pose aussi sur mon chat, sur Discord si vous voulez rire. Ah, j'irai voir ça, hein, écoute. Carrément. Bon, les gens, c'est le moment par contre. Si jamais vous avez des. Je viens de perdre 1 700 $. Mais c'est gratuit. Mais. Eh, mais ce jeu, hein. Ce jeu, hein. De base, j'avais dit aux gens, ouais, ça pourrait être marrant de faire plus de live dessus. Non. Non. Hi. Yes. Yes. Of course, honey. J'ai envoyé le raid en MP. Comment ça? Indeed. Comment ça? Right on it. Cheese? Cheese too, yes. Ah, ok, d'accord, ça marche pas de si. And the garbage, of course. Oui, ta gueule. Attends, pardon, tu peux fermer ta gueule? Ouais, ferme ta gueule. Ouais. Oh, good. Ouais, oh, good, ouais. Thanks. Ouais, thanks, ouais. M'énerve. On est parti! Hein? Comment ça? Ah, il était quand même agenouillé, mon bus, d'accord, très bien. Ah, j'ai plus le chat, attendez. Ambition, rouvrir le chat tout en jouant au jeu. T'inquiète pas, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On maîtrise. On maîtrise. Je suis si fort en fait. En fait, je suis si fort en fait, c'est impressionnant. Mais ça marche quand même, je fais ça, pas de soucis. Pas de sushis comme on dit. Bonjour madame. Ticket, ouais, c'est un ticket senior. Parce que bon, tu m'aurais demandé un ticket étudiant à un moment ou à un autre. Je veux bien que je suis con, mais là j'aurais peut-être compris que c'était faux là. Bon, en tout cas, ce truc que je peux vous dire par exemple sur les bus GNV, comme on dit, bah, c'est que c'est pareil que d'autres bus. Et du coup, je voulais dire quelque chose en fait, mais je crois que je me suis coupé tout seul. Oui. Si jamais vous avez des idées de jeux de simulation pour la semaine prochaine, les gens. Bah n'hésitez pas, voilà, je vous le dis, n'hésitez pas à me les conseiller. Parce que, bon, les gens qui traversent au moment où tu arrives, ça me fait mourir de rire. Du coup, je n'ai pas trop d'idées pour la semaine prochaine, je vais pas vous mentir. Même si, de toute façon, en tous les cas, je vais trouver, hein. Il y a toujours des jeux à jouer, mais bon. Avion, bah, ouais, pourquoi pas. En fait, je me dis, en fait, Flight Simulator, vu comment le jeu il est complet, j'aurais envie de plus le découvrir que ça. 17 € à rendre, mais ça va, t'es pas chiante, toi, comme meuf, sinon. Ouais, pas de soucis. Ouais. Et putain, attendez, juste. Attendez. Juste faire un truc en speed si ça vous dérange pas. Non mais. En plus, le jeu continue à tourner, hein, donc c'est à dire que je perds du temps, c'est pas grave, ne pas déranger. Merci. Voilà. Ah, fait du bien. Mais oui, ce serait. En vrai, comment il s'appelle, Flight Simulator? Honnêtement, je pense que si j'y joue, genre, je vais vouloir y jouer en mode vénère, tu vois. Parce que j'ai trop envie de jouer au jeu, mais en mode sérieux, tu vois. Pour vraiment galérer un peu, tu vois. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa à tester en vrai. Mais faudra voir après s'il y a des tutos assez simples pour vraiment découvrir le jeu. Et je pense que si on part sur Flight Simulator, on part vraiment facilement pour plus de sessions que les autres jeux, tu vois. Parce que je pense que pour juste avoir la base du jeu, pour faire tous les tutos, je pense qu'il faut minimum, et je dis bien minimum, 2-3 lives.
Ouais, si jamais vous avez des idées de simulateurs, les gens, c'est le moment à me les conseiller. De toute façon, moi, je suis preneur de tout et de rien, comme on dit. C'est bon, y'a personne qui bloque la porte ou qui pète un plomb, c'est bon. Bon, bah pour ça, ça se passe plutôt bien, les gens. Quelle aventure, quand même, ce début de live, au secours. Je suis quand même trop curieux, faut que j'aille voir vite fait en speed ce qui se dit sur Twitter, sur Discord. Tistaf, pistaf, pouf, paf, pouf, pif, paf, pif, paf, pif, paf. Ah ouais, mais c'est un spam total en fait, et absolu en fait. Voilà. C'était totalement un spam en fait sur Discord, vous avez vraiment spammé comme des ouf. Au secours. Un jeu de simulation d'attaque de requins. Oh, pourquoi pas. De toute façon, faut que je m'en renseigne, parce que en vrai, il y a des simulateurs à proprement parler, il y en a plus beaucoup. Après, comme dit, en fait, ça sera simulateur et jeu de gestion. Sur moi, jeu de gestion, c'est aussi des simulateurs. Donc, à voir s'il y a un jeu de gestion qui pourrait être sympa pour peut-être changer un petit peu de comment ça, de jeu de simulation à proprement parler, comme Bus Simulator. C'est Maniteur. Ah ouais, tu l'as. Non, il y avait un jeu plus vieux que Maniteur, je crois. 8,20€, mais vous êtes chiants les gens, vous pouvez pas payer directement la somme. Hop là. Ah ouais, dans les souvenirs, je sais qu'il y avait un autre jeu de requin, mais je sais pas si c'était celui-là ou pas. J'en sais rien. Cours. Mais du coup, en fait, le truc qui est marrant. Non. Hein? Il écoute la musique, il se tape une barre. Mais il a un casque laser. Oh, vous avez de la chance. Et le mec, il écoutait du classique, il t'entend taper ça, mais. Je comprends rien. Ce jeu n'a pas de logique. Ce jeu est illogique, totalement, ça me fatigue. Merci, madame, de courir, c'est gentil. Oh, au secours, ce jeu. Oh, ce jeu de l'enfer. Oh là là, ça me tue. Voilà. J'avais bien, j'avais pas passé la vidéo à l'époque, j'ai fini par abandonner. Ah, la coup dur. En vrai, moi carrément, je sais qu'il avait testé en live et j'avais trouvé ça très bien. J'ai trouvé le jeu très fun à jouer. Enfin, il avait l'air fun à jouer, pardon. Pas pour toi, là. Thank you. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On n'a pas de personnes qui nous font des attaques suicides à travers ça au dernier moment, il n'y a rien comme ça. Pour le moment, tout va bien. Ça, c'est beau. Pour un dernier tour de bus, plutôt sympathique. Bon, je vais être honnête avec vous, par rapport à Euro Truck, je pense pas relancer le jeu. Hein. Euro Truck, je me suis refait une petite partie il n'y a pas longtemps là, pour continuer un peu et retrouver un peu Vladoche. Alors, Bus Simulator, je suis pas sûr de continuer le jeu. Hein. Oh là, y'a masse de monde là! Oh, de l'argent! Single ticket please! Oui, madame. Merci, madame, d'avoir la monnaie. Et bonjour, ceci n'est pas exercice. Oh bah!
Oh bah 120 balles. Oh, pour avoir oublié un ticket qui est de... Oh bah 120 balles. Oh, 240 balles, merci mesdames. Oh voilà, là, 360 balles. 360 balles. Ben voilà. Comment ne plus t'en déficit rapidement. Oh, quel plaisir. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. Weep. Oh, quel plaisir. Ah là là là, je me suis fait masse de thunes là. Passager doit descendre, bah il va attendre l'arrêt de bus, hein, comme tout le monde. Voilà. Il va arrêter de me faire chier le passager. Entre nous. Merci madame pour les 120 balles. Merci. Merci madame. C'est un plaisir madame. Au revoir madame. Ah. J'ai un sentiment de devoir accompli, je vous le dis. Si tu veux voir les dossiers dans le salon flou. Ah oui, le fameux. J'ai vu qu'Irema avait dit arrête de flou, on va aller sur un autre channel, je comprends. Effectivement, c'était pas une mauvaise idée. Quoi? Comment ça, le frein à main? J'ai jamais mis le frein à main? J'ai jamais mis le frein à main de ma vie? Pourquoi d'un seul coup il s'est mis? J'ai appuyé sur un truc. Ah, ça va être la barre d'espace, le frein à main. C'est bien ça. J'ai compris. Bah voilà! Écoutez, ça m'a fait très bien passé. Pas un seul accident pour ce dernier voyage. Comme quoi? Ah, voilà un dernier voyage, ma foi, bien accompli. Et c'est une fin de voyage pour le bus, pour mon personnage. Regardez-le, fier. Fier de sa carrière. Seul face au vent. Regardez-le comment il est fier. C'est beau. Ah là là. Il est tellement fier. Ben, ma foi, ce dernier espoir aura été moitié fatigant. Hein. Toi avec ce bus de merde là que j'ai payé littéralement 350 000 balles. Voilà. Là, vous pouvez voir un bus à 350 000 balles. Voilà. Voilà. Alors que j'avais des bus à 100 000 balles qui faisaient bien plus de taf. Hein. Plaisir, bien sûr. Pardon, je lisais en même temps des trucs. Bon, bah voilà. Hop. C'était mon dernier voyage, voilà, je vous le dis. C'est la fin de cette aventure. Bah c'est ma foi, c'était une vraie aventure, j'en peux plus. Attendez, ah. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Sachez que je suis pas à l'aise, du coup il y a mon volant qui me bloque, du coup je suis un peu en mode... recroquevillé sur le côté. Bon les gens, est-ce que ça vous a plu ce live? Bon, on n'était pas sur le meilleur jeu, on va pas se mentir, mais... Mais cependant, c'était quand même plutôt cool. En vrai, c'était plutôt cool. J'espère que ça vous a plu quand même, les gens. Attendez, je prépare des choses en même temps en background. Bien sûr, hein, pendant qu'on discute un petit peu, parce qu'on n'est pas pressé. Hein. On fait qu'une petite heure et demie de live. C'était pas le live de l'année, on va pas se mentir, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Hop. Tic-tac-touc. Et je vous demande de rester sur le live, bien sûr, parce qu'on va les raids. Comment tu vas de la bienteur? J'ai pas compris. J'ai pas compris Grimnir, mais pas de soucis. Et du coup, les gens, je vais vous demander de rester. Alors pourquoi je vous demandais de rester? Parce qu'on a croisé une gentille streameuse à l'AGF qui n'est pas encore affiliée. Voilà. Personne qui a actuellement, je vais vous dire combien de followers, parce que je ne sais pas. Je suis en train d'aller check, excusez-moi. Qui a 16 followers. 16 followers. Il faut savoir que du coup, pour avoir l'affiliation, pour ceux qui ne savent pas peut-être, il faut 50 follow et 3 viewers de moyenne. Du coup, je vais vous demander. Or, le jeu claqué, c'était cool les délires et tout. Bah, c'est cool. Si ça t'a plu, honnêtement, c'est essentiel. On est là pour ça, comme dit. Donc, je vais vous demander du coup de rester sur ce live, les gens.
on va partir un peu plus tôt, juste pour aller à la raid, lui donner plein de courage et peut-être réussir à la faire passer affilié, en tout cas l'avancer le plus possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit live. Moi je vais pouvoir vous donner rendez-vous du coup demain soir, débrief de la Mélinasia. Beaucoup de choses à dire, honnêtement il y aura beaucoup de choses à dire, je vous le dis, à 21h, voilà. Donc peut-être que Kerem-san sera là, j'espère. Je vais essayer aussi de contacter peut-être nos amis de Yume Squad, si jamais ils peuvent passer, je ne sais pas. Ou peut-être d'autres personnes qui étaient là-bas. Et aussi notre cher Genki qui nous a un peu sauvé la vie, on va pas se mentir quand même, sur ce salon, et qui nous a bien aidé, ma foi. Donc voilà les gens. En tout cas, j'espère que ce stream vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et du coup, on va aller gentiment aller raid Coffee Horse. Bim bam boum. Hop là, le raid a été créé, mesdames et messieurs. Je vous laisse rejoindre le train du raid. N'hésitez pas, voilà, on est 9. Normalement, il y a 9 personnes qui doivent rejoindre. 7. Allez, un petit effort. 6. Ah, d'accord, il y a des gens qui s'en vont. Très bien. Ah, revenu. Ok, ça va. 7. Bon, bah, les gens. Moi, je vous montre quand même qu'il faut vous quitter sur une petite musique, quand même, parce que le plaisir d'avoir une petite musique. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain pour le live débrief de la Mia. Salut tout le monde. Here we go.